chercher à récupérer la prime. Un sub, let's go. Oh, j'ai eu chaud au cul. J'ai eu chaud au cul, frérot. Oh putain. Cette fois, je vais critique en plus, je vais avoir le sub. Ouais, t'as le sub. Il a le seum, le mec. Cette fois, j'ai critique. Ressemble au genre d'endroit où viendrait Cléon. Mais comment est-ce que des connards comme Cléon peuvent être au pouvoir, quoi ? Comprends pas en fait. Putain de menteur, tricheur, voleur, vipère, putain. Terrible comment les gens sont cons. Comme Macron, y'a ma gueule. Ah, ça, c'est une question de point de vue aussi. Ah, c'était moins pire que là, quand même, quand tu penses. Ah, pas la même chose, mais c'était moins pire que là. Je dois me montrer prudent par ici. Là, mec, tout le monde crevait, gros. Objectif, objectif. Trouver la preuve de corruption, ok, je l'ai. Ça va être chaud là. Non, ils sont deux, putain. Léon, tes effets personnels ont été déplacés, cachés, conformément à tes ordres, je garderai une clé en sûreté jusqu'au nouvel ordre. Continuez la patrouille Polémarque Phaleos. Ok, toi t'es mort. Donc, pour obtenir la clé, je dois trouver Phaleos, le commandant. Cette pelle a servi récemment. Ah, on a enterré quelque chose. Aïe aïe aïe, on a plus de puissance. Des traces boueuses. Cette personne a... Aïe aïe aïe, on a plus de puissance. Ok, ils ont enterré les clés dans le jardin. Quelqu'un a creusé ici. Coffre verrouillé. Non, mais il a pas enterré les clés. Il a pas enterré les clés à côté, s'il te plaît, non. Ah, ils essaient d'enterrer le coffre en fait. Un coffre est enfoui dans le jardin. Mais il est verrouillé. Il est où que Lord Phaleos là? Ok, là-bas. Non, c'est une blague.
Là, les mercenaires, ils vont se ramener, gros. T'as rien vu, frérot, t'as rien vu. Y a quelque chose là-bas. Là, y a un autre mec ici, quoi. Qu'est-ce qu'il fout, mon pigeon, là? C'est la guerre, là. C'est probablement. J'ai horriblement le passé, là. Mais comment il m'a vu, frérot? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Donne tes putains de clés! Tu mets une patate, toi, vraiment? Les gars, vous êtes pas assez là, vous êtes pas assez. Vous n'êtes pas assez. Waouh, qui c'est qui me traque là? J'aurais tout intérêt à rester là-bas. Et toi, tu vas prendre un couteau dans la gorge, frérot. Parle pas bien. Fin du jeu. Socrate avait raison. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Ah bon? Pas un TP là. J'ai pas un TP, je rappelle mesdames et messieurs qu'on est en mode cauchemar. Là il y a une grotte, vous voyez. Là où il y a le coffre, il y a une grotte. D'ailleurs l'entrée est juste ici, je pense. Et c'est là où il se cache à la fin, ok? Well played, GG well played. Voilà. Spoiler alert. Tant que j'y arrive, mon pet il y arrive pas. Ça doit être la maison de Tespis. Le radar, il ne sert tellement à rien, mec. Le radar dans ce jeu ne sert tellement à rien. En fait, le radar, c'est le truc au-dessus, là. Pas les points d'interrogation, mais ça m'intéresse pas, les points d'interrogation, en fait. Alors, vous voyez, là, en haut, là, tout en haut de mon écran, il y a écrit Athènes, 177 mètres. C'est nul. Donne-moi les quêtes, quoi. Elles sont où, les quêtes? Oh! Tu ne ressembles pas à un acteur, toi. Sauf si tu joues un garde athénien. Chut. Je vais te poser 2-3 questions, et tu vas y répondre. Mais le commandant Rixenor... Quel est ton nom? Bulis. Eh bien, Bulis, à toi de décider comment tu vas sortir d'ici. J'ai été clair? Oui. Tu ferais mieux de me dire tout ce que tu sais. Tout ce que je sais, c'est qu'on nous a dit de saouler cet acteur. Va voir toi-même, il est à la taverne. Tu es sûr que c'est tout? Moi, j'obéis aux ordres du commandant. Je pose pas de questions. Fais quelque chose d'utile. Rejoins mon équipe. Tu es loyal et tu appliques les ordres. Ouais, et c'est une grosse balance. À ton avis? L'occasion de quitter Athènes? Merci. Merci. C'est bien, on recrute toutes les balances de la planète. C'est vraiment bien, les gars. Oh putain, il est vraiment bien. Ah non, il est éclaté. Il est éclaté en vrai. Il est où, Bulis? Ouais, sympa. Sympa, mais le bateau, ça pue la merde, de toute façon.
530 mètres, vraiment. Attends. La taverne, elle est là. Ça s'appelle faire des doubles quêtes, les gars. Je vais pas faire 3000 allers-retours pour rendre la quête au même endroit, vous comprenez ou pas? Et alors, j'y ai dit à l'autre. Si c'est ta femme, pourquoi qu'elle me fait payer? J'aimerais rester, mais ma coupe, elle est vide. Et je dois... Je crois qu'il a assez bu. Et en quoi ça te regarde, toi? Ouais, en quoi ça... Oh, regardez-moi ça. Tu fais mieux de filer. Il a peut-être vu mon charme, enfin, quelqu'un qui a vu mon charme en 10 heures, en 40 heures de jeu. Allô, Locke, je vais commencer sur YouTube et après Twitch, mais tu me conseilles quel logiciel de montage et quel logiciel de streaming? Première Pro, Sony Vegas, peu importe. Sa mère? Disons, une vague cousine. Je crois que tu ne comprends pas la situation. Le commandant Rexenor a ordonné qu'il reste ici. Je dis que je reste. Je suis là. Laisse-moi tes pistes. Et je te donnerai quelque chose en échange. On devrait pouvoir s'entendre. Prends ça. Et fichez le camp. Nous ne sommes pas des paysans qu'on achète pour des haricots. Reprends ton argent. Et assieds-toi dessus. On se reverra, Mystios. Le commandant n'aime pas qu'on se moque de lui. Je me sens pas très bien. Mais quel connard ce cheval! On y va maintenant. Passe là-bas. Merde, putain, y'a encore un truc à faire. Ouais, je me suis dit porter un mec pendant 500 mètres, c'est un peu du foutage de gueule. Il a dit que tu portais un masque, que tu risquerais rien. Il a dit, tu es si fort. Parti. À Caterine. Oui, allez. Mes parents disaient que je finirais acteur ou ivrogne. Merci, mais tu peux pas aller plus loin, parce que je suis amoureux. Je veux seulement que tu sois en état de jouer demain. Bien sûr, et moi je veux ma muse, mon amour. Je peux pas jouer sans elle. J'en peux plus, les gars. Il faut que tu dessoules. Cette pièce est importante. À Caterine aussi. Il me faut ma muse. S'il te plaît, elle est près d'ici, à l'ouest, à la maison d'Aphrodite. S'il te faut ta muse pour jouer, je vais te la ramener. Je sens que je vais aimer. Même ta mère ne te reconnaîtra pas. Oh putain, mec. Vas-y doucement sur les mères. La tienne, c'était une chèvre? Telle mère, tel fils? Tu vas mourir! Ah ouais, frérot, vas-y, donne ton meilleur coup. Non, je rigole. Viens voir, papy. Allez, one shot, dégage, frérot. Pourquoi vous venez casser les couilles, les civils, là? Je t'aime, frère.
fois si j'ai bien fait de quitter Kefalonia. Alors, je vais chercher la muse ou pas? Il me pète les couilles, c'est débilos. Encore un nouveau mercenaire, mais génie. Bouge ou je te bouge. One shot, dégage. Mec, c'est trop bien que les mercenaires cassent les couilles, tu viens, tu les one shot. C'est vraiment le meilleur truc. L'endroit est forcément surveillé. Je dois rester prudente. Oh là 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 là, mec, ils ont mis tous ces forts là partout là. Allez, on y va. Oh, allez, viens là, toi. Tu n'es pas mon type. Trop musclé. Mais si tu as assez de drachmes sur toi, on peut faire affaire. Thespis a dit que je te trouverais ici. Oh, mon cher Thespis. Un artiste dans bien des domaines. Mais parlons plutôt de nous. Non, tu ne comprends pas. J'ai besoin de ton aide. Oui, comme beaucoup de monde. Mes mains guérissent mieux que celles d'Hippocrate. Non. C'est Thespis qui m'envoie. Bon, je ne sais pas ce que tu suggères, mais sache que je ne fais pas de réduction pour ses amis. Non. Thespis veut que tu ailles chez lui. Il a besoin de ton aide pour jouer demain. Thespis aime beaucoup jouer. Mais il faudra bien qu'il se passe de moi cette fois-ci. Mais tu es sa muse? Le commandant Rexenor a été clair. Si je vais voir Thespis aujourd'hui, ça me coûtera la vie. Ne t'en fais pas. Je vais aller parler à ce Rexenor. On voit bien que tu ne connais pas la cruauté de cet homme. Il ne s'agit pas d'un banal soldat athénien. Qu'est-ce que tu veux dire? Des réunions secrètes, des visiteurs étranges. Leak ! Il me donne la chair de poule. Tu vas devoir le tuer. Il n'y a pas d'autre solution. Avec plaisir, frérot. Si je le fais, tu iras voir Thespis. Oh, j'en serais ravie. Ne t'en fais pas. Je vais m'occuper de lui. Comme preuve, rapporte-moi sa petite épée. Je reviens bientôt. What the fuck, mais Uber Eats. Il est heureux avant sa mort. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a que de la chance. Excellent, est apparenté au culte de Cosmos. Oh putain, 60 mètres! Un cadeau du ciel! Ça, c'est une bonne quête. J'en ai marre de ces putains de quêtes de mort là. Même avec ton stuff poison nul à chier,
Tant que tu as du skill, il n'y a pas grand chose qui pourra t'arrêter maintenant. En passe, bon appétit. Je me suis commandé une poutine en pensant à toi. Allez là, putain. Bon, rien, frérot. Rien vu. T'as rien vu. N'oublie pas de lui prendre pas sa petite épée, comme ça il va rester à tout jamais dans le gang gang. Ouais, t'inquiète. Allez, ça dégage les gars. On finit le jeu. Ça tira comme preuve de sa mort ? C'est cette épée là où tu voulais, ou c'était celle entre les jambes qu'elle donnait? Un autre genre de petite épée. Ah d'accord. Mais, tant qu'il est mort. Ok. Ok la blagueuse. J'ai rempli mon rôle. Toi, assure-toi que Thespis sera au théâtre pour tenir le sien. Ce que tu es tendu. Viens t'allonger un moment. On a le temps de s'amuser un peu. Ou tu es du genre travail, travail. Désolé les gars, mais là, je peux pas. Je peux pas, j'ai le sentiment que ça va tout baiser, gros. Donc je peux pas. Ce n'est pas le moment. Il y a plus en jeu que quelques instants de plaisir. Quelle indignité. Je crois que tu te sous-estimes. Le sort d'Athènes dépend peut-être de cette pièce. Il faut que tu tiennes parole et que tu ailles voir Thespis. Ne t'en fais pas. Je te verrai au théâtre avec Thespis. Je peux pas les gars, j'avais peur que ça foute le bordel. Les gars, ça met du temps de Ken les gars. On avait pas le temps là les gars. Oh, vous êtes furieux.
Ah ouais, mais les gars, j'avais pas le choix là. Mec, imagine, je prends mon pied alors que, mec, gros, il y a 2 minutes j'étais en prison. Tu veux que je ken, mec? Thanks up, Shrek. Merci, mon pote. En plus, t'es une vieille peau. Nordix 200 bits, grand voyageur 200 bits, merci les gars. Vous voulez voir, mais tu vois rien, mec, tu comprends? Bien, ceux là, ces gens attendent que je m'adresse à eux. Je crois que ceci devrait pouvoir t'être utile. C'est ce que j'ai trouvé à propos de Cléon. Mytilène n'est que le premier des nombreux endroits qu'il a l'intention de raser. Compte tenu de l'influence qu'il a sur le peuple, il recueillerait chaque fois son assentiment. Alors, c'est à nous de le faire changer d'avis. Maintenant. Tu vas te joindre à moi ? Parler au peuple risque de ne pas suffire. Il faut lui montrer qu'il a tort de suivre Cléon. Je suis surpris de t'entendre émettre une idée de ce genre. Oh. La situation désespérée, c'est bien toi qui l'as dit, non? En effet. Observe-moi et réagis comme... C'est pas assez bon truc, mec, je suis un mercenaire et tout, c'est trop facile de contrer. Je ferai de mon mieux. Mais Socrate, Cléon est un homme du peuple. Dis-moi, si tu blesses quelqu'un avec une épée... Il y a personne qui écoute. T'as bien fait, le lion ne s'associe pas avec le cafard. Es-tu toujours responsable? J'ai pas compris. J'ai pas compris, les gars. J'ai pas entendu, mec. C'est quoi la question? J'ai pas lu, MDR. Oui. Je resterai responsable. J'admire ton bon sens et tu as entièrement raison. Si quelqu'un... C'est quoi ce bordel ? Moyen, dès lors que nous y sommes mêlés, nous demeurons responsables. Donc, nous sommes susceptibles de blesser quelqu'un sans le frapper. C'est vrai. Alors, j'ai une autre question pour toi. Qui mérite le plus ta confiance ? Le peuple ou l'homme d'expérience ? Qui mérite le plus la confiance? Le peuple ou l'expérience? Je suis obligé de dire le peuple, non? Je suis obligé, mec. C'est ce que tous les politiciens ils disent, non? Tous les politiciens ils disent le peuple, le peuple, alors qu'ils en ont rien à foutre en soi. La majorité a toujours raison. Et qui informe la majorité? Je suppose... Il s'agit de l'homme au sommet. Et si tu découvrais que celui qui se trouve au sommet a menti à la population, que ferais-tu? Je continuerai à le suivre. Ceux qui me mentent ne méritent pas ma confiance. À juste titre. Après tout, si quelqu'un... Qu'est-ce que c'est que cette pièce de théâtre cringée là? Qu'il ne recommencera pas. Oui, c'est vrai. Donc, tu admets que quelqu'un qui te ment est indigne de diriger? Bien sûr! Oh, Athénien! Admettez-vous, vous aussi, que l'on puisse être responsable du tort fait à quelqu'un, même par le biais de quelqu'un d'autre? Oui! Et suivriez-vous quelqu'un si vous appreniez qu'il vous a menti pour servir ses intérêts? Bien sûr que non! Alors je vous conjure, je vous implore, par-dessus tout, écoutez mes paroles forgées de vérité. Celui que vous suivez aujourd'hui ment pour servir ses propres intérêts. Dealer. Cléon vous a menti afin que vous votiez en faveur de l'attaque contre Mytilène. Et nous avons la preuve qu'il va recommencer. Si ce navire arrive à Mytilène, la population sera entièrement massacrée. Maintenant que vous connaissez la vérité, vous pouvez revenir sur votre décision. Il faut demander un autre vote. La vie de ces gens est aussi entre vos mains. Il faut arrêter ce navire.
Ok. Même les putains de PNJ dans les stades de FIFA sont mieux animés. Ok, frérot. Cela aurait pu mieux se passer, mais... le peuple ne peut plus réfuter la preuve que nous lui avons présentée. Mais nous n'avons fait que parler. Nous avons fait beaucoup plus. Nous avons utilisé une preuve et des arguments qui vont non seulement gêner Cléon, mais peut-être aussi sauver de nombreuses vies. Est-ce que ça suffira ? Oh, je crois le peuple, que c'est la trop nouvelle de la félonie de Cléon va se répandre dans tout Athènes. Les habitants aiment leur cité et ce qu'elle représente. Personne ne souhaite sa chute. Mec, c'est tellement cringe, putain, mec. Ok, les gars, circulez maintenant, circulez! Circulez, bande de bâtards! Vous avez à peine écouté cette pièce de théâtre cringée. La majorité avait raison. Mais mec, vous comprenez ou pas? La major... En fait, il faut dire au peuple qu'ils ont du pouvoir. Comprends? Sinon... sinon ils s'en battent les couilles. J'ai oublié ce que je voulais dire les gars, désolé. Hein. Un battle de rap aurait été mieux. Ah mec, franchement, j'en suis sûr que ça serait mieux passé en... avec la VO. Ça passait mieux avec la VO, je pense. What the fuck? Faut dire au peuple de claquer leur prime, exactement. Si tu leur dis pas de claquer le prime, ils claquent pas le prime. Dis-moi que tu as des nouvelles. Il va bien. Et il pourra jouer ta pièce demain. Oh, les dieux soient loués. Je sais comment sont les acteurs. Comparé à ce que je fais d'habitude, ça a été rafraîchissant. Je suis ravi de l'entendre. Tiens, pour ta peine. Le peuple est peut-être le cœur d'Athènes, mais ma pièce va devenir sa voix. Ok, s'il vous plaît, j'ai pas envie de voir la pièce. Non, s'il vous plaît. Oh non. Allez les gars, serrez les fesses. Tu as récupéré l'arc d'Hadès tout à l'heure. Ok. Cléon venait à périr. Car vous savez qu'il a été élevé dans une porcherie. Quelle insulte quand je pense que j'allais proposer qu'une statue soit érigée pour chacun de vous en l'honneur de votre courage. Voyez, il nous traite comme de vieux gâteux et rampe à nos pieds pour nous berner. Mais la ruse qui abrite son pouvoir va se retourner contre lui. Oh, malheur, les comploteurs m'ôtent la vie. Super pièce. Bon, franchement, mec, un petit truc de mauvais sur des tonnes de trucs super cool, ça va, tu vois. Bon, halt. Mec, j'ai aucun problème de te mettre un headshot maintenant, frérot. Rage quitte de Cléon. Gros mec, j'attends qu'une chose, c'est de le buter lui. Il m'énerve, mais au plus haut point.
en acheter. Je sais que ce n'est pas facile. Je les ai tous tués. L'élu. Bon, et maintenant? La pièce a eu un grand succès, comme je m'y attendais. Grâce à elle et à la preuve que vous avez présentée à l'Apnix, Cléon a perdu beaucoup de son crédit. Il se rend maintenant à Amphipolis afin de tenter de se racheter. Cassandra, Brasidas m'a envoyé te chercher. Il se porte bien. Où est-il ? À Amphipolis. Il se prépare à combattre. Si tu arrives là-bas avant moi, dis-lui que j'arrive. Eh bien, que comptes-tu faire ? Cléon doit mourir. Saisissons cette chance. Notre plan porte ses fruits. La mort ne doit pas venir trop tôt, même pour un homme comme Cléon. Pour un homme comme lui, la mort a déjà trop tardé. Tous les vivants ne méritent pas de vieillir, Socrate. Et c'est à toi de décider qu'il mérite ? Pour cette fois, oui. Ouais. Alors, c'est moi. Bon voyage. C'est moi, Socrate. Là, tu as été moi. Et puis la merde. Enfin quelqu'un qui a envie de s'amuser. Je ne sais pas combien de fois encore je pourrais supporter d'être rejeté par Socrate. Je suis sûr qu'il veut lui. Tu peux peut-être m'aider à l'oublier. Deuxième fois. C'est toujours bon de se distraire. Joie dans mon cœur. Faisons résonner les murs des échos de notre passion et chassons ces tensions funestes de nos corps. Après tout, un peu de détente. Alors c'est parti. Oh merde! T'as pas le temps. Même en temps de guerre, un peu d'enthousiasme, ça fait du bien. Hé gros, il m'a filé des thunes. On va où là ? Tu te fous de ma gueule, fils de chien. Warren, ouais, je pourrais faire la reine et je vais monter niveau 50, tiens. Attends, viens, je regarde, mec. Parce que là, on a pas mal de quêtes, là, je comprends pas, là. Ah non, on a plus rien. Ok, je vais faire la reine. Allez les gars, on va faire l'arène. Bah mec, c'est la deuxième fois que je canne avec lui. J'ai canne avec un forgeron aussi, crois-moi mec.
Là, les abdos qu'on a, ils seront plus là. Et si apparemment il y avait des capotes, justement, ils utilisaient des boyaux. Apparemment. Choisis ton. Fais les quêtes de ton daron quand tu pourras, tu ne le regretteras pas. Ok. Mec, tout ce que je fais, je le regrette pas en fait. Alors déjà j'ai buté ton yinch. Allez, au revoir le Kleps. Maintenant c'est à ton tour, frérot. Je vais t'abattre. On va commencer bien, on va commencer bien. Ok, je te limite one shot, ça fait plaisir. Elle déboîte cette épée les gars, c'est ridicule. Au revoir. Abraxas! J'ai une nouvelle monture! Niveau 50, les gars. J'ai dit niveau 50, allô? Choisis ton adversaire. Ah pardon, c'est pas maintenant, c'est maintenant. Vas-y, Lys a dévoré son père. Nouveau cheval, les gars. Ok, c'est l'heure de la vengeance. Oh putain. Oh putain. Oh, ça change de tout à l'heure. Hein. Oh là là, ça change de tout à l'heure. Mec, l'épée, elle est ridicule. Hein. Eh mec, l'épée, elle est ridicule, putain de merde. Coup de pied, ouais, on va en mettre. Je vais mettre le boss dedans et ça sera réglé. GG, t'as fini top 1 mercenaire idiot, maintenant il reste plus qu'à gifler tous les membres du culte. Ah, ça marche pas très bien, les gars. Mec, elle déboîte cette épée, les gars. Elle déboîte, je la kiffe sa mère, putain de merde. Et pourquoi tu descends dans mon royaume, quoi? C'est un perfect là les gars, what the fuck.
Aïe 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 aïe, cette épée putain, elle est monstrueuse, bordel de merde. Trop proche. J'ai toujours pas utilisé ma flèche de ouf là d'ailleurs. Allez, one shot le boss. Oh, il a un bouclier, ce fils de pute. Ça casse les couilles. Oh, j'ai cru que je l'avais one shot. Oh, je viens de monter niveau 50 contre lui. Popo, ce fils de chien. Locke, tu sais, mon ami, il faut dormir parfois. Ah, t'inquiète. Les gars, y a plus rien qui m'arrête en fait. Y'a plus rien qui m'arrête. Y'a plus rien qui m'arrête. Tu as fait preuve du talent que Maillon et moi-même avions vu en toi. Tu atteindras la grande. Niveau de maîtrise, vous avez débloqué le niveau de maîtrise. Il est possible d'investir des points d'aptitude en avantages statistiques ajoutés au bonus acquis à partir des armes et équipements. Il est possible d'accéder au niveau de maîtrise depuis la page d'aptitude. J'ai rien compris, mais. Merci. Je crois que j'ai compris. En gros, mes points d'aptitude, je les mets dans mes stats au lieu de les mettre dans mes talents, peut-être, si j'ai bien compris. Je dois passer à autre chose. Je comprends, mon ami. Ami ? Pas vieillard ? Pas vieillard. Ami. Non, avant que je te quitte, je t'ai organisé un dernier combat. Le meilleur adversaire de tout le monde grec. Ce ne sera pas facile, mais rien n'est facile dans l'arène. Je le one shot ou je le two shot ? Ça t'intéresse ? Je suis d'accord. Je le one shot ou je le two shot ? Tu veux quoi ? J'ai quelques petites choses à régler. Bah alors là, il est où le mec là ? Toi ? Tu
veux affronter quelqu'un dans l'arène ? What the fuck ? Je m'en vais. Comme tu veux. Belos, la bête de Sparte. Il dévore ses ennemis, on l'appelle la mort. Vasilis, le roi de l'arène. Un Spartiate qui aime se vanter et a des raisons de le faire. Mais c'est pas le mec que je viens de tuer, les gars. Genre, Vasilis, c'est pas le mec que je viens de tuer, les gars. Ah merde! Ah ouais, là on est sur un autre niveau là. On est sur un autre niveau là. Donc en fait, si je veux, je peux juste avoir genre par exemple frappe héroïque et 10 000 points là-dedans. Ah non, on est sur un autre niveau là. Moi je suis satisfait avec mes points là. Je pense pas que je puisse améliorer, je pense même que je puisse retirer des trucs. Oh, c'est nickel, c'est ce que j'attendais, les gars. Oh, t'as compte le 6, ok. Mais le 6, c'est pas ce que... C'est pas ce que je viens de faire, les gars. Pire arc du jeu, je sais pas pourquoi vous parlez de ça. Pire arc du jeu, les gars. Oh putain. Ça, j'irais bien l'essayer. Plus 20% de dégâts avec aptitude attaque puissance chargée. Attaque puissante chargée. Ah non, ça c'est la merde, ça. Oh, je suis bien là avec mes trucs là. Regardez mes trucs, mon épée elle est vraiment vraiment trop forte, putain. Elle fait vraiment trop plaise, mon épée. Mec, ça y est les gars, on est niveau 50, c'est... Adversaire mystère ? Je vais affronter cet adversaire mystère dans l'arène. Skoura a dit que même les dieux acclameraient celui-là. Si c'est un putain de porc, laissez-moi vous le dire. C'est un porc les gars. Je vais rager. Skoura ? Non. Regarde ça, Mystios. Oh, sans ça, tout ce que j'ai été se résume dans cet instant. La guerre, ma vie dans l'arène, ma fille Anaya, et toi, toi, Mystios. Mais quel malade mental, quoi. Mais pourquoi fais-tu ça ? J'ai trouvé le moyen, grâce à toi. J'ai trouvé le moyen de revivre. Ah, il pense qu'il va me fumer, en fait. Bon sang, réfléchis. Tu ne sais pas ce que tu fais. Je sais parfaitement ce que je fais. Tu vas devoir m'affronter, Mystios, et je n'hésiterai pas à te tuer si j'en ai l'occasion. Ah ! Ah ouais ! Je pense que vous aussi vous voulez du sang, les gars. Là, je vous laisse voter aussi, mais. Enfin, c'était pas vraiment mon pote, quoi. Très bien, vieillard. Je vais t'envoyer dans l'autre monde. Avec plaisir. Et tu commences au corps à corps en plus. Regarde. Oh mon dieu, je vais te one shot. Oh, je vais te one shot, frérot. Ce sera terrible. Pas terrible d'accepter ça, vieillard.
Il pue la merde en plus, le mec. Genre, t'as lancé une attaque depuis le début ou quoi? Ça se passe comment là? C'est mort, j'achève pas. Hein. Ah merde, j'ai déjà achevé. Oh merde. Pas mal pour un vieillard. Pas mal pour un vieillard, en effet. Pas mal du tout. C'est ce que t'as été. Aussi. Mec. T'es un bot, mec. C'est ça parce que tu crèves. Alors, quand tu as parlé de la revoir... Pour nos retrouvailles, je ne voulais pas qu'elle me voie telle que je suis devenu. Un vieillard inutile. Mais tu m'as montré que je pouvais aller fièrement à sa rencontre. En héros de la reine. Tu ne penses pas qu'elle sera fière? Tu feras sa fierté, comme tu fais la mienne. Je lui parlerai de la nouvelle héroïne de la reine, une guerrière honorable. Merci, mon ami. Oh, les gars, putain. Qu'est-ce qu'ils disent dans le chat là derrière? Ils disent Mystios là? Putain. Le mobile était même. Ah mais attends frérot, la cinématique n'était pas finie. Mais... Nous aspirons tous à cette paix. Honneur et paix. Lui c'est un mode du conseil. Comment fait-on pour les accueillir? Je le sais mec. La paix et le respect. À notre mort, nos actes doivent parler d'eux-mêmes. Ils nous définissent, ils sont notre héritage. Ce qui compte vraiment, c'est le souvenir qu'on laisse. Quel souvenir garderas-tu de Skoura? Tu la merde. Le souvenir de ce qu'il était vraiment. Un héros de la reine. Et un ami. La foule exige toujours plus, Mystios. Veux-tu regagner la reine avec moi? Plus d'arène ou on reste ici, là, stratégiquement, je sais pas, là. J'ai aucune idée, là, les gars. Aucune idée. Enter MDR, bah mec je l'ai one shot parce que je suis trop fort mais sinon le mec c'est l'histoire là, le roleplay mec. Enfin fils de pute. Allons-y. Je pense que j'aurais dû rester. Je pense que j'aurais dû rester mille fois les gars. Il y avait un truc. Je me disais de rester, il y avait un tout truc. Tout va bien Locke, tu fais quoi sur ce jeu? J'espère que ta déclaration d'impôt ne t'a pas fait plonger dans une longue déprime qui justifie ce let's play pittoresque. Ok, frérot. Tu veux te battre? Bon, j'ai tout niqué là, les gars. Hein. Ça sert à rien là. Je m'en vais. Comme tu veux. Bon bah écoutez les gars, on retourne sur la quête principale ou quoi? Ah putain, c'est incroyable. Y'a un bâtard juste là en plus. Et ça, ce sera plus long que ça, non ?